Tu peux me faire un petit résumé du match contre Beauvais? Ouais, alors du coup aujourd'hui on a reçu cette belle équipe de Beauvais qui était invaincue comme nous. Du coup on fait une grosse entame de matchs avec une très bonne première mi-temps et on tient tous les ballons, on relance quasiment pas au pied. Et je crois qu'on arrive à sortir avec plus 20 ou plus 25 à la mi-temps. Après deuxième mi-temps un peu plus difficile, où là on les laisse un peu rentrer dans le match. Ils tiennent le ballon, ils sont assez costauds, du coup on subit quelques impacts. Et ça finit je crois sur un score de 55 à 20 ou quelque chose comme ça. Mais du coup dans l'ensemble un très beau match. On a su tenir le ballon et jouer dans nos repères. Enfin, c'est une belle équipe. 55-27 le score. 55-27, ouais, exactement. Comment tu vois le reste de la saison, la suite de la saison? Eh bien là il va falloir qu'on continue à garder le curseur très haut comme on a pu le faire depuis le début. L'objectif, ça va être de ne pas faire de match, de continuer à prendre les matchs un par un, à prendre les équipes au sérieux comme on le fait depuis le début. Et on va avoir des très beaux matchs contre de belles équipes encore qui arrivent. La semaine prochaine, vous allez à Sarcelles. Ouais. Comment ça va se passer la préparation après un tel match? Comment vous voyez le match qui va arriver? Eh bien, comme je te disais, on va continuer de s'y filer à l'entraînement, de faire une grosse semaine. On va prendre ce match très au sérieux, parce que c'est une belle équipe de Sarcelles qui fait des bons résultats, surtout à la maison. Et on va y aller pour faire un bon match, comme d'hab. Merci.